XXe siècle, vers 1909 à 1910. Exploration sommaire. Des femmes accusées d'être un suppôt de Satan. Le ciel s'assombrit des sinistres fumées. Prétendu, toute la région serait hantée par des sorcières et des esprits plus que mystérieux et étranges. Des villes entières, des villages et des cités seraient devenues le théâtre de troublantes manifestations et de Merlebac à Saint-Avold, sans oublier Creutzwald. Et bien d'autres lieux, une population entière atterrée serait la proie de plus affreux cauchemars. De ces temps lointains, nous avons un canton de notre cadastre intitulé Excedans, chant de danse des sorcières, qui atteste des croyances pas encore disparues de nos jours. Ce lieu dit Excedans, au pied du Castelberg, désigne un lieu de rassemblement des adeptes de Lucifer, le maître des enfers pour leurs danses et activités infernales. Dans la forêt du Castelberg, aujourd'hui, la grotte des lépreux existe dans le rocher, une cavité appelée autrefois Die Kanzel, la chair par laquelle Satan haranguait ses disciples. Sur cette place du Excedans, les sorcières et les sorciers dansèrent toute la nuit jusqu'à l'aube. J'aimerais... Mais vas-y, pleure. Pour une fois que je suis... Waouh, Constant, j'aimerais trop aller à la grotte. Ok, demain on y va. Ouais. Ok. Waouh, génial! Waouh, Emma, on dirait un cerveau de sorcière. Tellement! Waouh, regarde, Constance, on dirait de la morve de sorcière! Mais grave! Alors, on voit la grotte juste devant nous. Il y a des pierres, une entrée, et on a un petit chemin pour y accéder. On y va? Ouais! Alors Emma, qu'est-ce que tu vois là? Comme un tunnel. Voilà. Et toi Constance? On voit une entrée qui mène à un étage. Ok, on va aller voir? Ouais. Allez, go. Il y a un caillou avec plein de trucs d'araignées dessus. Là. Toi Emma, tu es prête à y aller ou pas? Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sécuriser avec la corde et tout comme on a dit? Oui, ouais. Hein, pour que ton papa il flippe pas trop. Montre-moi alors Emma, on va aller où? Là-dedans. Là-dedans vous allez aller? Oui. Ok. Donc maintenant on a tous les éléments de sécurité. Donc maintenant allons explorer. Pas bouger, Ramsès. Qu'est-ce que vous voyez? C'est vrai?
Non mais moi, pour cette première expédition. Ouais, c'est super bien. Qu'est-ce que t'as vu là en bas dans le trou? Il y avait beaucoup de petits trous qui étaient tout petits, on pouvait passer la main dedans. Et il n'y avait pas de gravure, il n'y avait rien d'autre. Pas conscience? Quand on est descendu, il y avait énormément de déchets, beaucoup de bois, tout vraiment, tout mou, vraiment, ça fait longtemps qu'il est là. Il y avait du sable, ça doit être du sable de roche. Et dans les trous, il y avait des petits tunnels qu'on pouvait cultiver, mais on n'a pas les bras assez longs pour pouvoir explorer. Alors les filles, satisfaites de votre première expédition? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu? Une grotte. Une grotte et on est dans un trou. Alors c'était quoi? C'était plus la grotte des lépreux ou plus la grotte de la Exetans? Les deux. Pensez, tu crois? Vas-y Emma. Bah oui. Pourquoi? Il y avait des sorcières dessinées dans du bois. Ouais. Avec une phrase en allemand qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord. Et toi Emma? J'ai la même chose. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, Emma? Les trous qu'il y avait dans la grotte. En haut ou en bas? En bas. Quand on vous a descendu avec la corde? D'accord. Et toi, Constance? Il y avait des écritures un peu au mur qu'on n'arrivait pas forcément à lire à cause de, je pense, de la vieillesse. Enfin, du bref. Les filles, du coup, vous êtes prêtes pour une nouvelle expédition un autre jour? Oui.